bien. Salut tout le monde, c'est Farage. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode de Suikoden. Donc on s'était laissé après avoir recruté le notaire et je sais plus quelle autre, la nana. Parce que il va nous falloir un moyen de rentrer en prison pour aller libérer le médecin qui va nous permettre d'accéder à la forteresse, etc. etc. Donc nous allons rentrer au château Fafa pour commencer, parce que mine de rien j'aimerais bien changer mon équipe. Alors il faut, j'imagine, retourner voir le second qui est non pas au... je me suis trompé, bon, qui est pas au premier, mais c'est pas grave. Tiens d'ailleurs, attendez, si en fait voilà, donc lui, notre machin à identifier, il est là. Et donc maintenant j'ai un armurier. Qu'est-ce qu'il vend du coup lui? Bandana, nanana, petit casque, home. D'accord, donc il vend plus ou moins tout ce que... Il vend plus ou moins toutes les tenues que j'ai déjà croisées, enfin tous les meilleurs trucs. D'accord. Donc il vend vraiment tous les meilleurs trucs. Ah, flic et cul en acier. Tiens, ouais, si. Défense plus 13. Ouais, je vais t'en prendre un. Voilà. Donc il vend plus ou moins tous les meilleurs trucs que je peux acheter sur le moment. D'accord. Écu en acier. Voilà. Parce que toi, clairement, tu as besoin de défense. Très bien. Donc c'est bon à savoir. Éventuellement... Non. Alors, certains d'entre vous, vous avez fait une remarque qui, en soi, est assez justifiée, que ça fait faire des allers-retours le fait qu'il n'y ait pas tous les utilitaires au même niveau, mais d'un autre côté, ça, c'est plus ou moins aussi réaliste, donc c'est pas très gênant. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque, et en fait, il a tellement raison, il m'a dit, et c'est vrai, quand tu as un doute sur le genre d'un perso, va au bain, et là, t'auras plus de doute. Et effectivement, je devrais faire ça. Aller faire un tour au bain avec Cléo et tout ça, comme ça au moins la question se posera plus de si t'es une femme, pas une femme, etc. Bon, lui il a toujours son skin qui est buggé. Ok, alors. Maître Farage, vous voilà. Tout est prêt. Kimberly et Tesla ont fait du très bon boulot. Je suis perfectionniste. J'ai bien travaillé aussi, j'espère. Du bon boulot ? Que vous voyez là sont des faux papiers de l'Empire. La signature de Milik, le sceau officiel de l'Empire, tout y est parfaitement imité. Avec, nous pourrons entrer dans la prison de Saunière et libérer le docteur Liu Kang. Parfait. Et il paraît donc qu'il y a un monstre qui vend, enfin qui donne une opale dans cette prison. Je me suis fait du souci, dépêchez-vous. Non mais je voudrais changer mon équipe par contre. Sérieusement, je vais vraiment devoir y aller avec Jen et machin qui me servent à rien. Oh bordel. Non mais sérieusement, je peux pas les enlever eux. Oh là 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 là. Attends. Si je quitte et que je reviens. Non parce que sérieusement, enfin je vois pas l'utile. C'est complètement débile de me mettre au... Ah il est plus là, carrément. D'accord, ok. Matthew. Oui, changer les mondes de l'équipe. Bah oui, non mais clairement, oui. C'est complètement débile de me mettre de que des persos qui... Voilà, que des persos qui n'attaquent pas au cac. Enfin, qui attaquent au cac. Par contre, du coup, donc il va falloir que je mette des persos qui attaquent à distance. Lui, on pourrait le tester, remarquez. En tant qu'ancien général de l'Empire, et vu qu'apparemment il a des armes de type M, ça veut dire qu'il attaque à distance. Donc ça pourrait être intéressant de le prendre. Elle, on peut vraiment la jouer. Mais non, c'est S, donc non. Pente, on l'a jamais joué. On pourra pas essayer tous les persos, hein, je pense pas, mais... Elle est que niveau 12, donc non. Elle, je l'avais joué aussi. Alors il y a Cléo pour l'attaque. Lui je l'avais pas essayé non plus. Lui parce qu'avec la rune sacrée je vais pouvoir courir plus vite.
Elle, mais elle, il me faut. Il faut. Elle, je peux la jouer que quand j'ai personne à. Qui attaque à. Au cac. J'ai bien envie d'essayer Kwanda. Écoutez, on va le prendre. Parce que de toute façon, il est niveau 30, donc ça va, il a le niveau. Et comme il a une moyenne portée, il peut attaquer, normalement. Et ensuite. En vrai. Elle, je l'aimais bien aussi, la petite Meg. Elle avait des attaques de vent, c'était sympathique. Et Cléo. Moi, je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé, je vais vous le dire à chaque fois, mais cette image de Cléo, c'est clairement pas l'image d'une femme. Je suis désolé. Elle est absolument pas efféminée sur cette image. Je suis désolé, hein. Là, y a pas photo. Là, voilà, quoi. Bon, je prends Cléo. Oh, allez, je prends Cléo, allez. Voilà. Alors, par contre, Kwanda. Que moi, je veux bien prendre Kwanda, mais en fait, et voilà. Évidemment, il n'y a absolument rien pour lui. Bon, il a l'armure de cuir et le petit casque, mais il lui faudrait des accessoires. Donc, je vais déjà aller voir ce que j'ai dans mon coffre. Je sais pas. Bon, ok. Alors. Je veux me téléporter. Ah, putain, par contre, le nom des villes, je sais plus. Hein. Entre dragons, c'est pas ça. Lorimar. Bon, on va aller à Entei. Entei, je sais à peu près où c'est. Voilà. On va faire une sauvegarde rapide. Hop. Et on y va. Donc, direction la prison. On va quand même vérifier que Kwanda, il peut bien attaquer à distance. Normalement, il devrait, hein. Allez, un petit combat, s'il vous plaît. Voilà. Alors, combat. Attaque, 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 attaque. Tu peux bien attaquer à distance. Parfait. Allez, go. Ouais, tu peux attaquer à distance, par contre au niveau des dégâts, c'est pas foufou, hein. Ah, parce qu'il faudrait peut-être que je lui améliore son arme aussi à Kwanda. Bon, c'est pas grave, maintenant c'est fait. Maintenant c'est fait, on peut pas revenir en arrière, mais bon. Par contre, ouais, l'argent je veux bien. Alors, tac 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 tac. Ah, encore un combat, bon. Ça va être vite. Ça va être vite plié. Alors. Normalement, je peux rentrer maintenant. C'est peut-être juste une rumeur, mais oui, ça tu l'as déjà dit, tu l'as déjà dit, tu l'as déjà dit. Monsieur! Repos, soldat, nous apportons des ordres du général Milik en personne. Oui, monsieur, tout est en ordre, vous pouvez entrer. Parfait. Alors, la question c'est, est-ce qu'il y a des combats dans la prison? Normalement... D'ailleurs, normalement, il devrait pas y en avoir, mais visiblement, il y en a. Bon, en vrai, tant mieux s'il y a des combats, clairement, hein. Est-ce qu'on va avoir droit à un boss ou pas? L'antipoison, d'accord. Alors on va aller à droite pour commencer. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok. Donc normalement eux ils créent de la magie si je ne m'abuse. Ah, quoi que non. Bon. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Donc ça c'est un... Ah, c'est un point de... Pff, je suis con, c'est un point de sauvegarde. Ouais, on va sauvegarder. J'ai vraiment pas l'habitude de sauvegarder avec. J'avais oublié à quoi il ressemble. Ok, merci. Donc là, j'imagine que... J'allais dire c'est pour me reposer, mais non. Un collier d'argent. Ah ah. Alors, qui a le collier d'argent? Tac, donné. Ah, c'est pour personne, carrément.
Ça se revend peut-être? Ah non, bah non, défense plus 17. Mais c'est pour... Et quand même, c'est pour aucun des persos que j'ai. Franchement. Franchement, franchement. Bon, ok, là, il y a rien. Oh là, des cartes. Ouais, bien sûr. La dame de trèfle. Ah non. Alors, deux persos niveau 31, d'autres niveau 30, c'est très bien. Continuons. Non mais ne soignez pas, je viens d'attaquer. Oh. Il n'y a plus personne. Un ornement à identifier, ok. Bonjour. Un vieux livre 6. Qu'est-ce que ceci? Livre 6. Bon bah... Un vieux livre 6, ok, très bien, pas droit à quoi ça sert. Pardon. Allez, écart, vous mourrez. Bon, les ennemis sont pas très redoutables, ils étaient plus résistants sur la map monde. Hein. Mais moi, ça me donne de l'argent, donc c'est très bien. L'opale, ça se revend, on est bien d'accord. Un beau bijou. Bon, ça doit se revendre. Allez! Eh oh! Hey! Tu te moques de moi ou... D'accord. Activer le levier, je ne peux pas. Par contre, si je vais sur la porte, là, je peux activer le levier. N'importe quoi. Bon, bref, ok. Ok, ok. Toi, t'aurais jamais dû venir tout seul. Alors Flic il est sympa pour la magie de foudre, mais je pense que je le garderai, mais j'enlèverai Victor et je prendrai bien la nana qui fait l'attaque du faucon là. J'aimais bien. Après il me faudrait peut-être plus des mages, des healers, des trucs comme ça, des mages d'eau, vous voyez, en arrière-ligne. Je verrai, je verrai. Je n'ai pas de... pour l'instant, d'idée de mon équipe à venir. Eh, hey, quand même, hein. Alors je surveille ma vie, mine de rien. Là, faites voir, il n'y a que mon perso où ça pourrait craindre un petit peu. Les autres, ça va. Bon. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble que plus tard, même mon perso, je pourrais l'enlever de l'équipe, je crois. Je crois, hein. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois. Alors... Bon, ces ennemis sont moins résistants, mais au moins l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils me donnent plus d'XP que les ennemis sur la map monde. Alors les jars. J'ai bien envie, juste pour m'amuser, de faire un déluge. Parce que je veux pas voir ce qui va sortir de ces jars en fait.
Les notes de musique, ça fait des dégâts maintenant. Allez, de l'XP. Très bien. Un peu de sous-sous. C'est pas beaucoup, mais un petit peu. Peut-être me soigner quand même. Parce que tiens, tu as beaucoup de remèdes, donc. Voilà. Voilà. Remède. Non, les autres, c'est bon. Ok, très bien. Alors, on continue notre descente infernale dans les tréfonds de la prison. Même si je pensais qu'on aurait été au dernier étage, moi, mais bon. De l'antipoison, bon. Ça veut dire qu'il y a clairement un boss qui va m'infliger poison. Qui me donne autant d'antipoison. Allez, tac, tac, tac. Hop. Alors. Ouais, personne dans les cellules. Même pas de coffre, donc c'est juste de la déco, très bien. Il fait mal avec son épée de feu là, Victor. Je l'avais mis une rune de feu sur l'épée, je crois. Et mine de rien, il fait mal, hein. Ok. Rien dans les cellules. Alors, attaque, 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 attaque. Cléo, c'est toi qui vas y aller avec l'orage de feu. Apparemment, la foudre, c'était mieux. Allez, couchez. Allez, encore un combat et il va y avoir deux level up. Par là. On continue. Ah, bonjour. Qui êtes-vous? Ah, les ors ne marchent plus. Ah, bon, mais d'accord. Bon, mais dans ce cas... À l'attaque! Elle est un peu vite quand même cette prison, il y a deux pauvres gardes et une armée de monstres. Ah mais je suis con! L'opale! Ben oui l'opale, c'est pour recruter le perso! C'est pour recruter la nana ou le gars... Non c'est la nana je crois qui m'avait dit oui l'opale machin, suis-je bête? Vous savez quoi, je suis déception, je m'attendais pour le coup à vraiment à ce qu'on affronte un monstre et qu'on récupère l'opale comme ça, pas qu'on la trouve dans le coffre d'un garde. Bon enfin bref. Bref, 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 c'est comme ça. Allez, mourez. Là, un autre level... Ah non, Grémio n'est pas level up. Un emblème, qu'est-ce que à quoi ça sert ça? Un emblème. Défense plus 8, bonus de magie. Alors pour flic ou conda. Ben alors, bonus de magie, si tu vas te l'équiper toi en fait, parce que mine de rien tu utilises la magie. Donc les gants ou la cape? Là c'est 144. 144, c'est pareil. Bon ben peu importe, à dire vrai. Voilà. Alors, le coffre! Que faites-vous dans la prison? Je viens piller les coffres! Apparemment, il n'y a que des coffres qui sont emprisonnés ici. Ok, rune, déluge, attaque, attaque et attaque. Let's
Ils ont plus de vie que ce que je pensais quand même, ces soldats. Je rêve ou Grémio vient de jouer avant Victor? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Alors, là. Un petit casque. Est-ce que ça intéresse quelqu'un, le petit casque? Non. Non, ça n'intéresse personne, ça se revend. Allez, bonjour. Ah, il est là, le... Donc sérieux, il va pas y avoir de boss? C'est vrai? Bon ben, s'il n'y a pas de boss, vous savez quoi? Déluge. Et pour être sûr, orage de feu, voilà. On fait ça vite et bien. Ça manque vraiment de boss dans ce jeu quand même. J'espère qu'il va y en avoir un, mais... Réglages sont zéro. Quoi? What? Qu'est-ce que c'est ça? Son 1. Ok. J'ai pas compris. Bon bah, monsieur... Ah! Alors, le moment est venu. Je suis prêt à mourir et ce monde ne me manquera pas. C'est embêtant, nous étions venus pour vous secourir. Hein. Vous êtes les faiseurs de troupes qui sont venus jusqu'à ma maison? Ah, tu peux causer, pour le moment on doit te sortir d'ici. Bonne idée. Le soleil commençait à me manquer. Je croyais que tu voulais mourir. Hein. Bon bah, allons-y alors. Mais vraiment, je vais pas me faire attaquer par un gros soldat, rien? Vraiment? Oh là là. Vraiment, je suis déception. En plus, j'ai clairement pas gagné assez d'argent avec tout ça. J'en ai combien? 30 000 là? 43 000, ouais, non, 43 000, j'ai clairement pas assez. Il m'en faut beaucoup plus que ça. Bon, sérieusement, personne veut m'attaquer. Bon, bah. Ok. Ben, vous savez quoi, si personne veut m'attaquer, souffle de rage, c'est pour tout le monde. Non, c'est pour une seule personne. Et souffle de colère aussi, ok. Si personne veut m'attaquer, clairement, on va y aller, on va dépenser nos magies, hein. Écoutez. Alors ces cartes elles sont pratiques parce qu'elles donnent suffisamment d'XP et d'argent, mais par contre leur animation est un peu longue. Allez, on meurt. Merci, niveau 32 pour Victor, niveau 32 pour Wanda. De l'argent, très bien. Allez, rebelote. Voilà, déflagration, moi je suis sûr que vous allez mourir. Je me rappelle même plus de l'animation de cette attaque. Stylé, stylé, stylé. Très stylé. Bien joué, Cléo. Allez, des sous-sous, très bien. Alors, je vous rappelle que s'il y en a qui éventuellement s'agacent parce que je ne cours pas, je ne peux pas courir parce que je n'ai personne avec une rune sacrée d'équipé. Hein. Bon, ce qui en soi m'arrange, parce que comme ça, mine de rien, je fais les combats.
C'est pas tellement pour l'expérience que ça m'intéresse, mais plus pour les pour l'argent, vous l'aurez compris. Pour faire les magasins. Bon, ceci étant dit, si les ennemis m'attaquent un à un, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Je préfère à ce compte-là qu'ils m'attaquent à plusieurs, au moins, ça va plus vite. En termes de gains, je parle. Alors, tac, 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 tac. Voilà, c'est déjà mieux. Allez, Cléo niveau 32, Flizzy prend un niveau également au prochain combat, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais quelle déception qu'il n'y ait pas... Et là, ils vont me mettre un boss juste à la sortie, je vais avoir gaspillé toute ma magie, le voilà le boss peut-être. Parce que là, c'est le général en plus. Alors, attendez, on va surveiller quand même mes points de vie. Ouais, voilà, il vaut mieux soigner un petit coup. Gwanda, vu que toi, je vais pas forcément te garder indéfiniment. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok, allez, go! Oh, comment on se retrouve? Je passais par ici, j'ai entendu dire que des rats s'étaient glissés dans la prison. On dirait bien que c'est vous. Parfait. Qu'on en finisse tout de suite, on gagnera du temps. Oh, mais quelle barbarie! Je ne suis pas mauvais avec une épée, mais ce n'est pas mon état d'esprit du moment. Par contre, je peux vous donner ceci. Vous voyez ce que c'est? C'est une bouteille. Cette bouteille est remplie de spores d'agonie. Ne sont-ils pas magnifiques? Ça m'a pris beaucoup de temps pour remplir cette bouteille. Savez-vous que ces spores dévorent les humains? Oui, vous avez bien entendu. Quoi? Que comptes-tu faire de ça? Eh bien... ça, bien entendu. Oh mince, la bouteille est cassée. Vous devriez vous dépêcher, vous allez avoir des ennuis. À propos, c'est un cul-de-sac, alors vous ne pourrez pas faire grand-chose si vous voulez bien m'excuser. Alors, on défonce la porte. Mince, c'est bloqué. Ce milice a dû nous la verrouiller. On peut pas. On a tous des grosses haches, on la défonce. Courons, ils vont nous avoir. Ah, donc on repart en prison? Jeune maître, la porte, vite! Non, mais non, mais non, mais non, Grémio, mais non! J'ai dit que je voulais que tu partes de l'équipe, mais pas comme ça, non! Non, mais non! Mon dieu, Grémio, sors de là! Que fais-tu, vite! Victor, la commande de cette porte ne peut être actionnée que de ce côté. Arrête! On va y arriver, alors dépêche-toi! Non, c'est trop tard. Grémio! Non! L'équipement! Non, pas ça! Les spores sont à mes pieds maintenant, alors si j'ouvre la porte... Non, 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 ouvre la porte, Grémio, ouvre la porte, déconne pas. Jeune maître, pour la première fois, je dois refuser de vous obéir. Jeune maître, m'entendez-vous? Je suis désolé, je ne pourrai plus vous protéger. Mais maintenant, vous avez grandi et vous n'avez plus besoin de ma protection. Jeune maître, je suis fier de vous. J'espère que maître Théo pourra voir l'homme que vous êtes devenu. Grémio. Jeune maître, je crois que c'est l'heure de se dire au revoir. Je ne vois plus rien. Jeune maître, je suis fier de vous. Promettez-moi de toujours suivre votre cœur. Ce sera ma première et dernière requête. Oh mais non! Oh putain, sans déconner! Non, je voulais qu'il quitte l'équipe et qu'il reste à la forteresse, moi, pas qu'il crève! Putain! Tout va bien, commandant Farage? Comme cela faisait un moment que vous étiez là, j'ai fait venir nos troupes. Que se passe-t-il ici? Où sont les forces impériales? Elles ont dû être dévorées par les spores mangeuses d'hommes. Spores mangeuses d'hommes? Sortons de là, Farage a besoin de repos.
Bordel. Attendez. C'est bon, allons-y. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré l'équipement de Grémio? Bon, bah ok. Ok, on n'a pas eu de boss, mais alors, quand même, j'avais pas d'affection particulière pour Grémio, mais ça me fait pas plaisir. Ça me fait jamais plaisir qu'un membre de mon équipe comme ça se sacrifie. Surtout que Grémio, pour le coup, on l'a eu dans l'équipe tout le temps depuis le début. Donc quand même, quand même. Bon, bah écoutez, c'est sur cette note tristounette qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire par rapport à ça parce que je ne l'ai clairement pas vu venir tout ça. Hein. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Salut tout le monde!